Aujourd'hui, chez Planète Animal, nous partageons notre sélection de 10 races canines indépendantes et calmes qui ont tendance à avoir plus de facilité à gérer la solitude. Allez, c'est parti! Lhasa Apso. En raison de sa petite taille et de son tempérament indépendant, c'est l'une des meilleures races de chiens pour ceux qui doivent passer plusieurs heures loin de chez eux pour faire face à leur travail et à leurs engagements professionnels. Ces chiens ont un caractère assez fort et un grand courage. Ils doivent être socialisés dès qu'ils sont chiots pour éviter les comportements indésirables associés à la territorialité et à la protection des ressources. Chocho. C'est un chien de garde historique dans son pays d'origine, la Chine. Il a un instinct de chasse bien développé, donc une socialisation précoce sera essentielle pour favoriser une bonne coexistence avec les autres chiens et les animaux en général. De plus, son caractère fort et têtu en fait un chien relativement difficile à dresser. C'est pourquoi, si vous voulez en adopter un, on vous recommande d'avoir un petit peu d'expérience en termes d'éducation canine. Basenji. Il se distingue pour son caractère indépendant mais très actif, exigeant un bon niveau d'activité physique quotidienne et de stimulation mentale pour maintenir un comportement stable. Ainsi, bien qu'ils puissent être laissés seuls à la maison, les Basenji doivent vivre dans un environnement enrichi de jouets et d'une bonne variété de stimuli qui leur permettent de dépenser de l'énergie et d'exercer leurs capacités cognitives et sensorielles. Sharpei. Ce chien a un comportement naturellement calme et indépendant, ce qui facilite la gestion de la solitude et diminue la prédisposition aux problèmes liés à l'anxiété de séparation. Comme son compatriote, le Chocho, le Sharpei a un caractère bien tempéré et son éducation demande beaucoup de patience et de connaissances. Découvrez-en plus à son propos dans la vidéo ci-jointe. Basset Hound. Son tempérament est non seulement reconnu pour son indépendance, mais aussi pour un entêtement remarquable qui peut le rendre difficile à dresser. De même, lorsqu'ils sont socialisés dès leur première semaine de vie et éduqués par renforcement positif, les Basset Hound deviennent des compagnons extraordinaires pour les enfants. Chihuahua. Lorsqu'il est socialisé dès les premières semaines de sa vie, lorsqu'il reçoit une alimentation complète et équilibrée et qu'il a accès aux soins essentiels pour préserver son bien-être, il devient parfaitement capable de gérer la solitude lorsque ses tuteurs ne sont pas à la maison. Pékinois. Ces petits sont très courageux et établissent un lien de loyauté extrême avec leurs tuteurs. En fait, ils sont si alertes et protecteurs qu'ils se méfient souvent des personnes et des animaux inconnus. Ainsi, encore une fois, la socialisation précoce sera la clé de la prévention des comportements indésirables liés à la territorialité et à la protection des ressources. Shiba Inu. Il est considéré comme l'une des races de chiens les plus indépendantes et celle qui gère le mieux la solitude lorsqu'il vit dans un environnement positif et enrichi. C'est un chien indépendant qui aboie peu, qui est joueur et sociable. Entretenir son beau pelage demande du temps et des efforts, surtout pendant les périodes de mue. De même, comme pour toutes les autres races de chiens, il ne faut pas négliger son éducation. Vous aurez probablement remarqué sa grande ressemblance avec l'Akita Inu, et dans la vidéo suivante, on vous propose de découvrir ce qui les différencie. Lévrier. La principale raison pour laquelle nous incluons les lévriers parmi les races de chiens qui peuvent être laissés seuls est leur tempérament naturellement calme et très docile, ainsi que leur grande appréciation de la compagnie humaine. De plus, ils perdent très peu de poils et peuvent même cohabiter avec des personnes allergiques. Cependant, ils ont besoin d'une bonne dose d'exercice quotidien pour dépenser de l'énergie et maintenir un comportement équilibré. Chiens de race mixte. L'étonnante polyvalence de leur caractère leur permet de s'adapter à une grande variété d'environnements. Ensuite, il est bien plus probable que vous trouviez un chien de race croisé compatible avec votre façon d'être et avec les traits de comportement que vous aimeriez voir chez votre petit chien. Cependant, on se doit de vous rappeler qu'aucun chien, qu'il soit de race croisée ou de race pure, ne doit être laissé seul plus de 7 ou 8 heures par jour, car ils ont tous besoin d'être soignés et de recevoir des soins adéquats pour préserver une bonne santé physique et mentale. De plus, il faut savoir qu'un chien qui reste seul pendant plusieurs heures a besoin d'un environnement enrichi où il peut faire de l'exercice et garder son corps et son esprit actifs. Sinon, il pourrait souffrir de symptômes de stress qui ont un impact négatif sur leur santé et leur comportement. Et votre chien, il est capable de rester tout seul ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Planète Animal.